Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skyrim. Et là dehors, il y a un dragon qui m'attend. À chaque fois que je passe par la fin de la tournoi en ce moment, il y a un dragon qui vient et qui fout en l'air soit la fin, soit le début de mes vidéos. Mais là, je suis préparé, donc du coup, on va prendre tout ce que je peux en blé, à savoir les 42 de blé. Et il y avait quoi d'autre aussi qui me permettait d'avoir des potions de vie, des lys de cimes bleues. Voilà, et le reste, c'était pas le cas. Là c'était de la pénalité de santé. Ah, il y a un truc que j'avais pas mangé ici, petite ramure. Ça aussi d'ailleurs j'en ai jamais goûté. On va les prendre pour les bouffer. Le lichen géant d'ailleurs, j'en ai jamais pris. Et les ailes de papillon. Voilà. Donc là, on a ça sur nous. On va débloquer les deux autres ingrédients que j'avais là. Ingrédients. Donc on avait dit qu'il y avait ça. Vulnérabilité à la magie. Et vulnérabilité au poison. Ok. Bon. Alors, laboratoire alchimique. Bon, je peux pas utiliser pendant le combat. C'est magnifique. Bah, du coup, je suis obligé d'aller buter le dragon. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc on va sortir. Zéphyr, il fait combien? Que 22? Faut l'améliorer, Zéphyr, quand même. Ça serait pas mal. Par contre, on va garder, donc, du coup, l'arc des ombres. Et on va mettre... On va mettre... Les flèches d'acier à la place. Les carreaux de mer, je peux pas mettre, si. Bah oui, voilà. C'est pour les arbalètes, donc ça marche pas. Du coup, on va mettre les flèches d'acier. Voilà. Ça fera un petit peu plus de dégâts. C'est pas non plus énormissime. N'hésiterai pas à vous tuer. Mais faites quelque chose. Je ne reste pas ici. Un dragon de sang, d'après vous, qui crache des flammes ou pas? Ok, c'est du feu. Ça va, je crains rien alors. Ah bah oui, Lydia. Oh. Ah, si j'avais touché, ça aurait été beau là. Ah! Ah non, je croyais que je l'avais touché. Reste au sol, toi. Voilà, crève. On va attendre qu'il redécolle. Je ne crains rien avec le feu. Allez, décolle! Oh, mais Lydia, tu casses tout! T'es nul, Lydia, hein, franchement. Flèche des bonites, ça, je prends. Ça tombe bien, j'avais pas l'intention de courir. On y est presque. Voilà. Alors, dents d'hiver, on va mettre les trois dents. Les trois améthystes, l'améthyste parfaite. La chétine de Kourou, je suis pas sûr que ça me serve à quelque chose. Fragment d'éthérium, on garde du coup. Grenade parfait, on pose. Lingot de métal d'Oemer. Malachite, minerai.
ça pareil. Voilà. Donc ça, on ira les poser, je pense. Il y aura des choses qu'on devra les vendre aussi. Déjà, quelques potions de santé, ça ferait pas de mal. Alors, restauration de santé. Restaure 22 points de santé et augmente de 18 points par 60 secondes. Ouais. Donc là, il va manquer des choses si je vais en faire du coup. Et j'ai pu faire combien de potions? Objet, potions. Ouais, pas grand chose en fait. Potion de soins profus, potion de soins léger, potion de soins, renfort de santé. J'en ai quelques-unes ici aussi. On va faire un peu le tri dans ce que j'ai comme potion. Donc ça, du coup, on va aller dans potion ici. On va poser. Ça aurait pu être pas mal. C'est ça que j'aurais dû utiliser. Putain, je suis con. Eh oui. Tant pis. Potion de bonnet, je profuse. Potion de magie, je vais garder. Potion de soin, je garde. Potion de figure, je garde. Ça aussi, j'aurais pu l'utiliser. Tant pis. Et ça, je garde. Ok, bon. On va aller là-dedans. On va déposer tout le blé qu'on a. Ah non, c'est dans ingrédients, voilà. Ça, je pose. Et ça, faut que je goûte. Vulnérabilité à la foudre. Ok. Bon, là, maintenant, ce qu'on va faire. On passe à Blancherive. Hop. Blancherive, voilà. On va aller vendre les quelques items là qui ne servent à rien. Je ne prétends pas être la... Épée, casque. À peu près tout ce qu'il vous faut. Alors, moi... J'ai des trucs à te vendre. J'ai l'arc de Falmer à te vendre. J'ai l'arc orc. Ouais, à te vendre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à te vendre? La masse d'acier de glace. Les zéphyrs, non. Zéphyr, je garde. Ok. En tenue, l'armure cloutée, l'armure de fourrure, les bottes d'argent. Les gantelets de plate. C'est à peu près tout. Voilà, nickel. Et normalement, niveau place, on est redescendu. Voilà, parfait. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ok, bon. Alors, on a un donjon à nettoyer. Et un mot à récupérer. Lequel ce sera, je ne sais pas. Alors, carte. Attendez. Pourquoi est-ce que j'ai encore un truc qui monte là-bas? Trouver. Ah oui, donc ça, c'est l'autre source de donjon. Donc, c'est là-bas que je dois aller. Mais je me suis déjà rendu à Valtum. What the fuck? On va y aller d'un coup alors. Mais visiblement j'ai déjà pris le mot. Ah oui, parce que je suis passé devant tout à l'heure. Et je suis pas rentré dedans, je pensais pas que ça nous renverrait là en fait. Bah du coup j'ai bien fait de découvrir l'endroit en passant à côté. Hop. Comme quoi, hein, les choses sont bien faites. Vestibule. Oula, déjà quand ça commence par des noms comme ça, c'est pas bon. Allez-vous-en. Le mal s'agit dans ce lieu. Et la terre elle-même serait menacée s'il venait à se libérer. Donc c'est un drogue, ça, je suppose. Ou alors un dragon. Ce tombeau est celui d'Evnorak. Un orak depuis de nombreuses générations. Ouais, bien sûr. Protégé contre la pluie, tout ça, tout ça. Je crains que son retour ne soit proche. Il doit y avoir moyen d'y mettre un terme. Je le retiens ici, mais ses forces ne cessent de croître, alors que les miennes se dissipent peu à peu. C'est ballot, hein. Aujourd'hui, je suis à peine en mesure de contenir sa puissance,
et je ne pourrai jamais le vaincre s'il s'éveille. Mais avec l'aide de quelqu'un comme vous, je peux encore y arriver. Donc il faut l'aider, je suppose. Vous le feriez ? Il y a dans ce tombeau trois réceptacles qui pourraient permettre de le vaincre. Avant toute chose, il nous les faut. Apportez-les-moi. Mais faites attention. Ils sont gardés par les serviteurs d'Evnorak, qui ne reculeront devant rien pour permettre le retour de leur maître. Ok, encore une fois, on est tombé sur un truc pas trop mal. Décidément, en ce moment, à chaque fois qu'on met les pieds quelque part... D'accord, et en fait, ça soit l'endroit où il est mort, le gars. Casque nordique antique. Ouais, non, on va pas le prendre. Y'a rien ici. Non, y'a rien. Bon, là-bas, j'étais juste venu récupérer un truc, hein. Ah, pardon. Aïe. Juste un mot. Donc ça, c'est un drogue, ça, c'est un dragon. On va découvrir ça. D'ici peu. Oh là là, c'est grandiose. J'adore. D'accord. Ça sent le coup à ce qu'il y a un drogue qui sorte de là-dedans. J'espère que Lydia est prête. Donc là, il y a la suite du donjon. On va s'asseoir sur le trône. Ok, il ne se passe rien. Je pensais que ça activerait quelque chose. Ah, on a un drogue ici. Farindos. On va pas l'embarquer. Pas de petit coffre ou un petit truc du genre. Histoire de faire plaisir là. Visiblement non. C'est peut-être ici que se situe le drogue qu'on doit buter à la fin, si c'est bien lui. Bougeoir activé. Oui, voilà. Il y en a un qui est activé là, et là, il y en a un activé. Et là, je suppose que ça sera pareil, non? Je sais pas, en tout cas, il faut activer quelque chose avec ce bougeoir. Donc, il y a visiblement quelque chose à faire. Est-ce que c'est avec une torche qu'il nous faudrait? Si c'est le cas, j'en ai pas sur moi, j'en ai à la maison. Ton râle t'a trahi. Lydia va faire le piège, forcément. Elle va nous embarquer tous les deux dans le... Et voilà. Lydia, putain. C'est dingue, ça. Qu'est-ce qu'on a là? Un cercle vide. Une urne funéraire. T'es infernal, Lydia. J'aurais pu mourir par tes conneries. Donc là, on peut aller nulle part. Tous les pièges, je vais les bouffer à cause d'elle, vous allez voir. Ça va être ça à chaque fois. Oh, une potion de soin profus, parfait. 6 pièces d'or. Macabé. Une petite urne funéraire. Bon, d'accord, ok. Graisse de troll. Ça peut-être que je vais en prendre, oui. Finalement, j'aurais quand même pris des ingrédients que je voulais pas, mais c'est pas grave. Si on va par là, si on va par là. On va commencer par aller par là, tiens. Donc, visiblement, l'objectif se situe vers là-bas, je crois. Quoique non. Oh, ça va être les premiers qu'on affronte comme ça. Une sacoche d'apothicaire, une perle. Oh, perle, j'ai jamais découvert ce que ça faisait.
Et là, on devait avoir un passage secret, non? On va aller voir la porte qu'il y a là-bas. Ok, donc la porte est barrée de l'autre côté. Donc je suis obligé de passer par là. Et là, effectivement, c'est le chemin du retour. Et ça nous permettra ensuite de revenir à l'endroit où on était avec l'hôtel activé. Avant toute chose, ingrédients, la perle. Restauration de vigueur, ok. C'est pas banal les perles. Ou alors on peut en trouver facilement près de la mer, je suppose. Il a disparu le spectre. Et ça c'est quoi? Oh, oh, bouclier d'ébonite. Pas mal! Avec un coffre dedans, 7 pièces d'or. Le bouclier d'ébonite posé en plein milieu comme ça. Ah oui, d'accord. Arc nordique antique souple. Non, on va pas l'embarquer. Laisse ma Lydia tranquille. Ouais, je l'ai dérouillé lui. Évidemment, il y en a encore deux quelque part dans la pièce d'à côté. Ici, on a un coffre, un bouclier elfique. Bah, je prends. Et ça, ok. Et là, sur le drogue, 13 pièces d'or. Je sais pas où ils sont. Ah, ils étaient au-dessus, visiblement. Oh, regardez. Émeraude parfaite, améthyste et une autre améthyste. Nickel, ça. Fait plaisir. Là, on descend je ne sais où. Une porte fermée en expert. Forcément, j'ai envie de la déverrouiller. Hein. Ah! On va y arriver. Voilà. Me fait peur ce con. Clé de la cave de Valdum. Ah ok, nickel. La cave, ça doit être celle-là alors, non? Donc je me plante. Je sais pas si c'était une bonne idée de passer par là pour commencer. Il y a une autre porte là-bas. Merde. Ah oui, d'accord, en fait ça mène juste là en fait. Ok. Une épée en fer. Crâne, un bouclier à bande. Ok. Encore une fois, j'ai fait les choses à l'envers et puis je me suis rebouffé le piège qui me permettait d'arriver ici. On doit effectivement aller en face normalement. J'entends le souffle d'une créature quelque part. Masse de fer. La masse de fer, la masse à tout faire. Ah, ça je prends. Des peaux de loup et d'ours, du blé, ça je prends aussi, bande de cuir je prends, peau d'ours des neiges. On va prendre pour la curiosité, tiens, hop, voilà. Il y en a encore d'autres? Ah non. Alors qu'est-ce qu'on a? Des pommes de terre, un pichet, gobelet, pommes de terre, des bandes de cuir encore. L'envers de l'endroit, mais l'envers de l'endroit, on a déjà découvert le bouquin. Et rien d'autre. Ok, bon. Il y avait un spectre tout à l'heure pourtant dans les airs, je sais pas où il est passé. Non, Lydia! Viens là, viens là, viens là.
débile, elle. Wouh! Ah, ça nous a ouvert ici aussi. Parfait. Et je me demandais comment l'ouvrir justement. Bah, ok, par contre ça nous a pas ouvert l'accès à la pièce qu'on a vue, à moins qu'il fallait faire le tour par en bas. Ah oui. Ok. Pas mal. Coton sauvage. Lydia, attends-moi un peu. Elle est pressée, hein. Ah, premier découpage de tête, je crois. Non? Ah non, même pas. Oh, la déception. Attendez, mais dans ce cas-là, le passage que j'ai ouvert tout à l'heure, ça menait où? Est-ce que c'est lui justement qui permettait de faire le tour? Parce que là, ici, il y a bien un endroit là. Bon. Looping se pose des questions. Looping se pose peut-être même trop de questions. Mais le ping a raison de se poser des questions. Il faut. Dommage. Voilà. Bon, je sais pas du tout si c'était la bonne chose à faire. On va d'abord aller regarder en bas. Là, visiblement, il n'y a pas grand chose. Ah. Il s'est fait torturer lui aussi. Ah, d'accord. Et là, on a la suite du donjon. Donc, effectivement, là, on ira peut-être un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a sur le squelette? Un peu d'or. Ça nous mène à rien. Tous les cercueils sont vides. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Là, on a visiblement le passage secret qu'on avait remarqué tout à l'heure, je crois. Toutes les urnes funéraires sont bien pleines en tout cas. Moi ça m'arrange. Hein. Je me demande où ça nous mène. On remonte. Ah, bah la fameuse pièce qu'on cherchait tout à l'heure à accéder. Laboratoire, donc ça on va prendre. Ça on prend, ça on prend. Ça on prend. Oreille desséchée, tresse d'ail. C'est bon, j'ai pris tous les ingrédients. Ok. Là, on a un droïde avec 10 pièces d'or sur lui. Merde, j'ai pris un outil d'embaumement en pensant que ça serait autre chose. Allez, déjà, c'est pas le moment de me bloquer. Hein. Coffre. Ok, un potion d'harmonie, de l'or et des potions de soins de profus. Ok, nickel. Donc on avait une autre porte aussi qui remontait. Du coup j'ai bien envie d'explorer avant d'aller là. Et on fera ça au prochain épisode.
les amis. Voilà, on va s'arrêter là. Bon, en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, tchaton, c'est Looping. Bye bye.